Denominations sow interpretations. C'est une semence. It's a seed. Un catholique devant la cathédrale. A Catholic, when he stands before a cathedral, il a reçu une semence. He has received a seed. Il fera ça. He will do this. Il ne comprend pas ce que cela signifie. He doesn't understand what it means. Mais c'est la semence qu'il a reçue. But that's the seed he received. Et aujourd'hui, le monde entier est ivre. And today, the whole world is drunk. Mais vous et moi, but you and I, nous avons échappé. We have escaped à la plus grande séduction de l'histoire du ciel. The greatest deceit of the plan of salvation. Dieu nous a placés dans son cadre. God has put us in his framework. Dans son champ. In his field. Dans sa vie. In his city. Nous sommes ses semences. We are his seed. Le Saint-Esprit descend. The Holy Spirit comes et arrose la semence. And water the seed. On doit croître. We need to grow. Et nous sommes en train de croître. And we are growing. Et nous devons atteindre la maturité. And we need to reach maturity. On doit être prêt pour les graines. We need to be ready for the harvest. On doit être exposé au soleil. We need to be exposed to the sea. On doit être sous l'ombrage. We shouldn't be under a shadow. Les rayons solaires doivent nous frapper. But the spark from the sun is to. Quand nous venons à l'église, when we come to church, nous venons dans la contemplation du Fils de Dieu. We are coming in the contemplation of the Son of God. On nous décrit comment il est. They describes unto us how he is. Il est peint devant nous. He is painted before us. Et nous voulons qu'il transforme nos vies. And we want him to transform our lives. Pour que nous puissions nous ressembler à tous égards. So that we may look like him in all aspects. C'est pourquoi nous devons aimer les vrais prédicateurs. That's why we need to love true preachers. Si Dieu nous donne un vrai prédicateur. If God gives us a genuine preacher. Mais c'est nos oreilles. It is a rare bird. Vous devez aimer cet homme. You need to love that person. Vous devez supporter cet homme. You need to bear with that person. Pour qu'il exerce correctement son ministère. So that he may exercise well his ministry. C'est un temps spécial. It's a peculiar time. Imaginez. Just imagine. Quelqu'un qui est embrouillé. Somebody who's disturbed. Comment peut-il perfectionner les autres? How can he bring others to perfection? Si lui-même déjà au départ il est embrouillé. If him already to start with is already confused. Le prédicateur il est dans le mensonge. The preacher is already in lies. Dans l'adultère. In adulteries. Dans le vol. In cheating or stealing. Mais comment voulez-vous qu'il puisse perfectionner les autres? How will he bring others to perfection? C'est un temps spécial. It's a peculiar time. Sont des dons que Dieu donne à l'Église. These are gifts that God gives to the church. Le premier don c'est Jésus Christ. And the first gift is Jesus Christ. Jésus est bon. Jesus is good. Même un pécheur qui reçoit Jésus. Even a sinner when he receives Jesus. Il dira que Jésus est bon. He will tell you that Jesus is good. Et le vrai ministère. And the true ministry. Ce sont des dons de Dieu à l'Église. They are gifts of God given to the church. Et qu'est-ce que je peux donner à l'Église? And said, what can I give to the church? Mais il a donné des dons. He gave gifts. Mais là, les gens n'arrivent pas à ça. Now people. Ils rejettent les dons de Dieu. People themselves, they reject the gift of God. Celui qui vous reçoit, il me reçoit. The one who receives you. Celui qui vous, il m'a rejeté. The one who rejects you has rejected. Dieu ne peut pas perfectionner l'Église en dehors de ces mécanismes-là. God cannot bring perfection to the church outside that mechanism. C'est pourquoi Satan qui connaît les secrets. That's why Satan, when knowing that, il rend le monde aveugle. He makes the world blind. À l'égard de vrais hommes de Dieu. Toward the true men of God. Et là ils sont complètement fauchés, c'est terminé. And then that's the end, they won't get it. C'est pourquoi vous et moi, that's why you and me, nous devons remercier le Seigneur. We need to thank God. Parce que dans sa grâce, because in his grace, il nous a donné la capacité. He has given us the capacity de reconnaître les vrais hommes. To recognize the true men of God. De les écouter. To hear them. De les respecter. To respect them. Quelqu'un pose la question à Frère Branham. Somebody asked Brother Branham. Il est écrit quelque part. That is written somewhere. Celui qui reçoit un prophète. That the one who receives en prophet, de prophète. In as a prophet. Il recevra la récompense de prophète. Will receive the reward of prophet. Qu'est-ce que cela signifie? What does it mean? Dans le monde. In the world. You know, c'est le prophète qui va vous payer. They think that is the prophet who will pay you. Non, ce n'est pas ça. No, it's not that. La parole vient. The word comes to the prophet. En aimant cette personne. By loving that person. En recevant cette personne, by receiving that person, toutes les révélations que Dieu lui a données, all the revelations that he receives,
vous partagez avec lui. You will share them with him. Amen. Amen. Si vous ne voulez pas un prédicateur, if you don't love a preacher, même s'il prêche de bonnes choses, even if he preaches, mais vous n'allez pas les recevoir. You won't receive them. Vous devez commencer par aimer les autres. You need to start by aimer les dons de Dieu. And loving les dons véritables, the genuine gift, parce que ça fait partie du mécanisme de Dieu. Because it's part of the mechanism of God. Et le vrai prédicateur, and the true preacher, ils comprennent le temps dans lequel nous sommes. They understand the time in which we live. Et en travaillant, and in working, ils poursuivent leur objectif. They are trying to follow their objective. Dieu n'a pas donné des ministères pour que nous devenions des riches. God didn't give ministry so that we become rich. Si quelqu'un veut devenir riche, if somebody wants to become rich, mais qu'il fasse le business, let him go into business. Le ministère est dans un but. The ministry has been given for a purpose. Le perfectionnement. For the perfection of the saints. Amener l'église à cette condition. To bring the church to that condition. L'édification du corps de Christ. The edifying of the body of Christ. On construit une maison. We are building a house. Et quand on construit, il y a un plan. And when we are building, there is a plan. Vous devez vous référer au plan. You need to refer to the plan. Tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. All plant that my father didn't plant will be uprooted. C'est bien de construire l'église catholique. It's good to build the Catholic church. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. But that's not the plan of God. Mais nous avons le plan de Dieu. But that's we have the plan of God. Comment poser la fondation? How to lay the foundation? Comment élever les murs? How to bring up the wall? Et à la fin? And at the end? Il y a les travaux de finition. There is also the work to finish. Il faut des gens qualifiés. It needs people who are qualified. Des gens patients. Patient people. Parce qu'on termine l'œuvre. Because we are finishing the work. Des gens qualifiés. People who are qualified. Et Dieu a des hommes qualifiés pour faire ça. And God has got qualified people for that. C'est pourquoi mes frères, that's why brethren, nous vivons un temps spécial. We are living in a peculiar time. C'est une minorité. It's a minority. Même le vrai prédicateur, even the genuine preachers, sont une minorité. They are also a minority. Sont des hommes qui ont compris. They are people who have understood qu'il n'y a plus de temps. That there is no more time. L'heure est très très avancée. The hour is fast spent. Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. Déjà selon la prophétie. Already according to the prophecy. Notre temps est très court. Our time is short. Quand notre vieux frère Branham a parlé sur les âges de l'église, when Brother Branham spoke on the church ages, parlant de la Odyssée, speaking about Odyssey, il sera l'âge le plus court de tous. He said that will be the shortest age of all. Déjà quand vous lisez le message adressé à la de Philadelphie, already when you read the message addressed to the church of Laodicea, Philadelphia, the sixth one, le Seigneur dit, the Lord said, je viens bientôt. I'm coming soon. Déjà au sixième âge. Already to the sixth age. Mais nous sommes au septième âge. But yet we are on the seventh one. Et Jésus dans la parabole des ouvriers loué à différentes heures. And Jesus when he spoke of the parable of the laborers who were hired at different hours. Si nous soyons son bon c'est dans Matthieu 20. It is in Matthew 20. Il y a cinq groupes. There are five groups. Le dernier, the last one. Les ouvriers de la 11e heure. The workers of the 11th hour. Ils n'ont fait qu'une heure dans la vie. They only worked for one hour in the field. Le temps est court. The time is short. Il y a des gens qui s'amusent. There are people who are playing à la chair. On the pulpit. Cette chair. On this pulpit. C'est un trône de jugement. It's a throne of judgment. La parole est proclamée ici. The word needs to be proclaimed here. Parce que le temps est court. Because the time is nigh. On doit prêcher la parole. We need to preach the word of God. Nous ne venons pas ici. We don't come here pour entendre les difficultés du pasteur. To hear the troubles that the pastor is going through. Nous nous rassemblons ici. But instead we gather here pour que Jésus nous parle. So that Jesus speaks to us. Et un prédicateur, and a preacher, c'est un instrument que Dieu utilise, is an instrument that God is pour using s'adresser à son peuple. In order to speak to his people, il faut qu'il comprenne ce qu'il représente pour le Seigneur. He needs to understand. On n'a pas beaucoup de temps à perdre. We haven't got much time to waste. Mais nous devons gérer. But we need to manage. Avec sagesse. With wisdom. Et intelligence. And intelligence. Le temps que Dieu nous donne. The time that God gives us. Travailler pendant qu'il fait encore jour. Work. Meanwhile, it is still day. C'est la fin, mes frères. It's the end, my brethren. Connaissons le plan. Knowing to the plan, nous devons nous réveiller. We need to wake up.
Parce que je comprends ce que Dieu attend de l'église. Because I understand what God is expecting from the church. Si je suis en retard, if I'm late, mais je dois me dépêcher. I need to hurry up. From